un tombeau royal. Mais c'est vraiment un tombeau en fait où on voit des personnages et également donc des espaces à la fois privés et des espaces publics. 그림이 뛰어나다고 그 도상들이 나오는데 각 도상에 누구라고 하는 이름들이 신선의 이름까지 전부 600자에 해당하는 글씨가 쓰여 있습니다. Alors ici dans ce tombeau, en fait, il y a énormément de personnages, et à chaque personnage, il y a marqué en fait qui c'est censé représenter, et en tout, on a environ 600 idéogrammes. 그 그림 중에서 우리 La tortue et le serpent enlacé. À l'ouest, c'est donc le dragon bleu azur. À l'est, nous avons le tigre blanc et le sud est représenté par l'oiseau vermillon. 이 장성의 동물이기 때문에 아주 상상력을 동원해 가지고 활기차고 신령스러운 이미지를 잘 보여주고 있습니다. Donc, ce sont évidemment quatre animaux imaginaires. Et donc, ils sont comme ça, le spectacle, c'est Hyunmoo, donc la peinture de Hyunmoo, donc la tortue et le serpent. 이 현무는 거북이와 뱀이 서로 엉켜있는 모습입니다. Hyunmoo, en fait, désigne vraiment l'étreinte entre le serpent et la tortue. 이 지금 거북이와 뱀이 싸우는 이미지라는 사람도 있고, 사랑한다는 주장도 있습니다. 어느 게 맞는지는 여러분이 생각해 주십시오. Certains disent que le serpent et la tortue sont en train de se battre, d'autres disent qu'ils sont en train de faire l'amour. Je vous laisse libre à vous d'interpréter comme vous. 지금까지 나온 중국 미술사에 관한 가장 권위 있고 잘 알려진 책은 마이클 설리반이 쓴 히스토리 오브 차이니스 아트입니다. Oh, oh là là, oh là là. Ah, c'est beau.